You there. Oh, hello? You a bounty hunter? Well, not right now, I ain't. You Black Bell? I'd like to talk to you about your Wild West days. I don't care much for reminiscing. You got any friends as bounty hunters? None that spring to mind. Well, then you done led them boys here and you none the wiser. Ah, those bounty hunters. Knew my luck had run out sooner or sooner. Well, get inside. I'll tell him you're gone. Oh, no. I ain't hiding from them scalp hunters. Not running from them, neither. And fighting? Yeah, if it's just me against him, that'd be a waste of time and nitroglycerin. Well, let me know what I can do. You want that Wild West story, don't you? Yes, I do. All right. Get up here, quick. Now, when I give you the word, hit that. Whole place is wired. Black Bell, I got a contract here for your life or your liberty. We'd sooner it be liberty. That's mighty reasonable, mister. Come here, let me take a look at it. Come on. Ok, je sens qu'on va s'amuser. C'est parti, les amis. Et bien, bienvenue pour la partie 32, les amis. C'est Red Dead Redemption 2, on continue notre aventure. Et ouais, et là je pense que vous avez compris, on a trouvé la toute dernière as de la gâchette. Et cette fois c'est une femme, ce n'est pas un mec. Et du coup, et ben justement, on l'aide. Pour une fois qu'on peut, on peut aider tout simplement quelqu'un de l'as de la gâchette justement. Tant mieux. Elle a l'air plutôt cool celle-là. Ok, il y en a encore des autres, pas de soucis, on va s'amuser. Des chasseurs de primes, les amis, des chasseurs de primes. Allez, hop, on va les calmer. Oula, j'ai l'impression que c'est eux qui vont me calmer. Allez, hop, tais-toi, salut. Allez, c'est parti, ça commence super bien. J'aime bien quand ça commence bien, comme ça, là. Pendant les lives. Ou en vidéo, hein, bien sûr. Allez, hop, c'est terminé. Is that the last of 'em? Yeah. You got them scalp hunters off your back. For now. For now. So, you gonna tell me about your Wild West days, running with Jim Boy Calloway? Little Boy Calloway? The only running he did was away from pour une fois qu'on accepte de parler, justement, c'est chaque fois qu'on allait voir les derniers as de la gâchette, bah c'était pas vraiment prévu, quoi, avec Arthur Morgan. The ones of us that lived that life, we was too busy being scared for our scalp to talk to no newspaper writers or dime novel men. Well, what were they like then? Those days they all talk about. Same as now, I guess. Only longer ago. All right. I'm gonna need your picture, too, if it ain't a trouble. No, sir, no trouble at all. Can't be worse than those awful drawings on the wanted posters. Oh, great. Look, you stand over there and let me get this thing ready. Okay, yes. Ready? On va faire une photo. How do you want me? Like this? Allez. Oula, elle est chaude, là. Notre Black Bell. Parce qu'elle s'appelle comme ça, bien sûr. Ok. Alors. Prendre une photo. Voilà. Alors ça, c'est normal, okay. Hein, bien sûr. I got it. Voilà. Then I guess I'll be on my way. Here. Well, thank you, Mrs. Bell. You gonna be all right? Oh. Been running for 20 years. Suppose I'll be running till I drop. Just the way it is. Yep. Good luck. Eh ben, pour une fois, ça se passe super bien. Bah ben voilà. C'était
je pense, le dernier qu'on a trouvé, les amis, dans les As de la Gâchette, hein, pour ceux qui, bien sûr, pour ceux qui me suivent hein, depuis le début sur Red Dead Redemption 2, vous savez comment ça se passe avec les As de la Gâchette. Bah là, c'était justement le dernier. Et du coup, ben voilà, les amis, hein, voilà, c'est fait. Et du coup, on va fouiller tranquillement et après, on va passer à autre chose, les amis. Vous allez voir que, alors je pense que vous avez remarqué hein, au niveau sur Twitch, de ce que j'ai marqué justement en ce moment, que justement, on va faire beaucoup de choses et aussi, on va trouver les poissons légendaires, quelques-uns, justement, quelques-uns. Pas tous, mais quelques-uns. Voilà. Voilà. Parfait. Bon, bien sûr, hein, c'est quelques bricoles, comme d'habitude. Voilà. Alors je sais c'est un peu long. Je vous avoue c'est un peu long à fouiller tout ça. Mais on prend son temps tranquille. Vous allez voir qu'on va faire beaucoup de choses dans cette partie. On va s'amuser. Alors, je pense que vous avez remarqué, nous ne sommes pas vraiment tout près de... Enfin, de Rod, enfin, presque. Presque. On est toujours à Les Moines. Mais on est tout près du bayou, déjà. Voilà, on est tout près du bayou. Je pense que vous avez reconnu, hein, pour ceux qui jouent sur Red Dead Redemption 2 et sur Red Dead Online, hein, bien sûr. Et aussi, on est tout près, hein, bien sûr. Vous voyez peut-être un peu plus là-bas au fond. Saint-Denis, voilà. On voit l'église. Voilà, au fond. Tout droit, voilà. Et du coup, bah bien sûr, Saint-Denis, on va aller voir plus tard. Plus tard. Et du coup, les amis, on va fouiller la maison tranquillement. Ah, il est là, mon chapeau. Le chapeau d'Arthur Morgan. Voilà. Parfaito. Alors, on a quoi ici? Quelques bricoles, comme d'habitude. Ok, pas grand chose. Alors, si, juste une petite carte de cigarette. Alors ça, on l'avait vu il n'y a pas longtemps, les amis, hein, les cartes de cigarette. On a tout pris, on a tout eu, justement. Alors bien sûr, hein, n'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne YouTube, hein, bien sûr, hein, pour ceux qui ont loupé les paquets de cigarettes. J'ai fait une vidéo là-dessus, complète. Du coup, voilà les amis. Alors... Légumes, je suis plein. Biscuits, je suis plein aussi. Ah, alcool de contrebande, parfait. Alors par contre, je pense que vous avez remarqué les amis, il y a les chasseurs de primes encore une fois. Et cette fois, c'est à moi les chasseurs de primes, ce n'est pas à Black Bell. Au suivant. Alors, bah, je pense qu'on a fait un peu le tour les amis. Alors, on va essayer de ne pas se faire repérer, hein, tranquillement. Oula, je pense que Arthur Morgan a failli se casser la tête. Ou les pieds, plutôt. Allez. C'est parti, on s'enfuit. Enfin, on va essayer, en tout cas. Hop, on va s'éloigner un tout petit peu. Vers par ici, ou alors juste ici. Et normalement, je dis bien normalement les amis, on aura aussi une petite mission secondaire. Et je pense que vous allez la reconnaître. Pour ceux qui me suivent, hein, bien sûr, hein, depuis le début. Sur Red Dead Redemption, hein, bien sûr. Vous allez voir dans quelques instants, j'attends juste un tout petit peu. Voilà. Parfait. Alors. Voilà. Ici, les amis.
Alors, je pense que vous avez reconnu avec la photo, c'est Albert Masson. On l'a vu plusieurs fois, au moins 3 fois au moins, pour l'aider justement dans ses photos de ça, sur les animaux justement. Et du coup, on le revoit pour une quatrième fois. Et cette fois, vous allez voir que ça sera autre chose sur les animaux. Je dis rien. Pour ceux qui connaissent pas trop le jeu, bien sûr, on va les voir ensemble. Allez, tranquillement. Hop. C'est juste à côté, hein, bien sûr. Allez Arthur, plus vite mon ami. Alors bien sûr, hein, j'ai oublié de vous le dire, mais n'hésitez pas à vous abonner, tout ça pour les nouveaux et les nouvelles. Bon, je vous le dis à chaque fois, comme ça, vite fait. Bien sûr, vous connaissez un peu le principe, je pense. Et bien sûr, hein, n'hésitez pas à mettre un j'aime. They creep up on you, you know. Mr. Morgan! How are you? Well, sir. What are you working on? Do you know anything about alligators? Only the basics. Avoid them wherever possible. Well, did you know that in the last 50 years, we've killed 90%? You say that like it makes you sad. They're beautiful creatures. Let's see how you speak when one of them's got you in a death row. Yes, I will make some creature a very happy lunch one of these days. Let's try and avoid that from happening today. Ah, ça, je suis d'accord. You stay there, you'll get a great shot, then you'll get eaten. What a way to go. Why don't we take this boat out, and I'll protect you. Come on, get in the boat, he'll be fine. Well, if you really think that's necessary. You carry on shooting from that bank, you're gonna wish them wolves had eaten you. Really? Yes. Allez, on embarque. C'est parti. Alors, je pense que vous avez compris, les amis. On va les traquer, les alligators, maintenant. Enfin, ou plutôt, on va pas vraiment les traquer. On va prendre juste une photo. C'est pas pareil, je vous avoue. Alors, bien sûr, on doit s'approcher sur les points, les amis. Il y en a plusieurs. Oh look, that little beach. Boars. If we're in luck, an alligator won't be far away. Ouh là là, je sens qu'on va s'amuser, attention. You don't mind that pork chop getting butchered. Pork chop isn't in danger of extinction. Attention. Oh là 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 là. Il s'est fait bouffer le truc. J'aimerais pas être à sa place, au sanglier. Ok, parfait, bah je pense que c'est bon. Voilà. Chercher d'autres alligators dans les marécages. Allez. Tranquille. You know, in the season, there are more alligator hunters down here than alligators. Maybe you can take a photograph of one of them then. Right. Right. There, in the canebrake. That's a likely spot for one. Take us attention. Around the island until we see something. Okay. Excellent. Voilà. Beast in repose. All is calm as the predator lurks. The final sighting was to the northwest of here. Là ici, ça va être chaud pour alors, à moins que. Allez, Arthur Morgan, fais demi-tour. Voilà, tout juste. Ça, c'est parfait. 17 feet.
19 feet, 21 feet with a 5-foot head. What? Alors je pense qu'on peut passer comme ça. Allez. There's 20-foot gators here and us two idiots are sitting in a 12-foot skiff. No, this is in the 70s, 80s. Yes, yes, there. Oh, no, he's gone. Could you stop the boat just there, off the island? Sure. If we stop too long, locals are gonna start getting curious. Just there, please. So I'm facing the landmass. Ce que je dois faire là? Oh non, t'es sérieux? Ne dis pas que je dois aller voir l'alligator. Sérieux là? T'as cru que j'étais sa bouffe ou quoi? Ok, parfait, voilà. Approchez-vous. Enfin, approchez de l'alligator à pied. C'est pareil. Allez, je sens qu'on va s'amuser. Bonjour, toi. On est amis, hein. Tranquille. Oh, punaise. Ah non, Arthur. Ah, il a bouffé. Alors là, franchement, j'ai eu chaud là, les amis. Alors là, je vous avoue, il a fallu me bouffer les bottes. Anyway, I hope you got something worth printing. Ok, allez. C'est reparti. Hop, par là, l'autre côté. Allez, tourne, Arthur. Allez, tu peux le faire, mon ami. Maybe. But usually we wait until after they're dead. Well, I hope we've changed. Me too. Putain, j'ai failli me faire bouffer, quoi. J'en reviens pas, quoi. Allez, c'est reparti vers le point, les amis. Tranquillou. Allez, rame. Plus vite, Arthur, plus vite. Pictures you're taking. Yes. They gonna be any good? I certainly hope so. Though I doubt it. The subject is magnificent, the backdrop jaw-dropping, but the agent of beauty is a talentless fool. Although maybe I'll strike a few lucky shots. You sure do make me laugh that way you talk about yourself, Mr. Mason. Well, I'm good for laughing at, if nothing else. I didn't mean it like that. I know. Still, I feel such a fool round you, sir. Don't worry about it. Oh. I foresaw many an ignominious future for myself. Et puis c'est là qu'il y a un alligator. Il va venir juste ici et puis il va se faire bouffer. Good luck, Mr. Mason. Thank you and to you too, sir. Non, je déconne, je crois pas. I shall certainly try. Eh ben parfait, voilà, un truc de fait, parfait. Ok, alors, comment ça marche? Alors, il va se faire bouffer? Non, non, non. Je crois pas, moi. Je connais. Mais bon, je m'inquiète pour lui. Il va pas aller loin, le mec. Alors, il va aller jusqu'au bout? Est-ce qu'on va le voir despawn ou pas? Ok, bon ben, on va le laisser tranquille, hein, voilà. Parfait. Où est mon cheval? Fufu Morgan. Voilà. Ouh, le petit bug. Vous avez vu les amis? Alors, ça tombe, c'est pas lui, mais j'ai l'impression que c'est lui. Ah ouais, c'est lui.
Ah, le bug. Ah, j'adore le bug. Ah, je kiffe. Je kiffe. Bon, bah voilà. Il n'y a plus de bateau. Il y a des spawns, le bateau. Maintenant, il va se faire bouffer. Bah voilà, voilà, voilà. Je connaissais la suite, les amis. Ok, bon. Un petit bug assez... assez méchant, on va dire, hein, voilà, quoi. C'est pas... Là, j'avoue que c'est assez ouf, comme bug. C'est pas tout le temps qu'on voit ça, je vous avoue. Alors, du coup, les amis, comme on est au bayou, en ce moment même, et ben, du coup, on va justement traquer un alligator, parce qu'il en faut, justement, vers le camp, justement, et aussi, comment... pour la suite avec le trappeur, justement. Mais pour l'instant, hop, on va en tuer un, voilà. On va le dépecer, et puis on va le ramener au camp, en même temps, plus tard. Tout doucement. Oula, le petit coup de pied, là, j'adore. Voilà, parfait. C'est bien foutu quand même. On va pas dire le contraire. Okay, my girl. Parfait les amis. Alors du coup, alors on va regarder un peu sur la carte, hein, bien sûr. On va aller vers ici, au magasin de pêche, pour justement acheter des je ne sais plus comment on appelle ça, des hameçons, voilà, des sortes d'hameçons, voilà. Entre guillemets, c'est ça. Et du coup, bah justement, hein, je pense que vous avez compris, pour pouvoir pêcher les poissons légendaires, tout simplement. C'est parti. On va faire ça, on va couper. Hop. Voilà. Parfait. Petit village à côté. C'est juste un petit village de pêcheurs, hein, les amis. Voilà, pour ceux qui connaissaient pas, bien sûr. Voilà. On va aller voir la petite femme. Have you used scent blocker before? Can really change the parfait. Out there. Voilà, c'est dealer, les amis. Voilà, cherchez, excusez-moi, bien sûr, excusez-moi. Ce sont dealer, cherchez le mot, voilà. Des hameçons, moi, je dis, bon, c'était presque ça, je vous avoue. Bon, bon, c'est presque ça, à vrai dire, voilà. du coup, alors, bien sûr, c'est dealer spécial, hein. C'est pour les poissons légendaires. Ça coûte un peu plus cher que les normales. Du coup, 20$. Alors, on va faire ça, hein, pour mieux voir, voilà. Hop. Goodbye. Voilà. Alors, bien sûr, on a les prospectus en même temps. Mm-hmm. Comment ça marche, bien sûr. Alors, ça, ce sont les normales. Well. Hop. Voilà, les amis. Parfait. Et puis, on va regarder tout ça. Oula, il y a de l'orage ici. Prospectus de Duller de lac spécial. Voilà. Alors, on va essayer de tout lire. Hein. Enfin, on va essayer en tout cas. L'heure de lac spécial. De nombreux spécimens prisés d'esturgeon jaune et de masquinogés ont été attrapés grâce à ce nouveau modèle de l'heure de lac. Les masquinogés sont des prédateurs à l'effut, prêts à attaquer et manger n'importe quoi, y compris des canards et des rats. J'ai un jour utilisé un rat vivant comme appât au grand plaisir d'une foule de spectateurs. Ne vous préoccupez pas de la souffrance des animaux de bas étage. Ce ne sont pas que des bêtes idiotes qui s'en prennent à leurs semblables et qui ont été créées dans le seul but de vous divertir.
en dage de pêche. Les plaisirs du pêcheur sont loués dans la poésie antique et gravés dans la Bible. Voilà les amis. Alors bien sûr, je vais peut-être pas tout lire hein, non plus, parce que sinon ça peut prendre des siècles, et j'ai pas envie de vous perdre pendant soit le live ou en vidéo hein, pour plus tard sur YouTube. On va juste, voilà, regarder comme ça, hein, bien sûr, voilà, l'heure de rivière spéciale, voilà. Mais je pense que, alors, je pense que vous avez peut-être remarqué, mais en fait, c'est les mêmes phrases, à vrai dire, c'est les mêmes phrases, je pense. Donc ça ne sert à rien de tout lire non plus, ça reste la même chose en fait, la même chose, tout simplement. Du coup, on a aussi l'air de marée spéciale, hein, voilà, encore, hein, bien sûr, bon, ainsi de suite, en fait c'est toujours le même, ainsi de suite. Alors je préfère les ouvrir tous pour bien les débloquer, hein, bien sûr, l'heure de rivière, et là c'est l'heure de marée. Alors on va tous, hop, voilà, parfait. Là, histoire là, de les lire quand même, voilà. Et l'heure de marée. Voilà, parfait. Parfait, parfait. Du coup, voilà les amis. Hop. Et du coup, on va... Alors, avant d'aller vraiment pêcher, je pense... Comment... Bah je crois qu'en fait non, je n'ai rien dit, je pensais qu'il y avait autre chose. Ah voilà, si, juste ici les amis, voilà. Et vous allez voir que cette mission, c'était en rapport avec le mec qu'on avait croisé à Rhodes lors de la partie 31. Et c'est un mec qui s'est fait virer de chez lui à cause de la banque. Du coup il ne peut plus habiter chez lui, entre guillemets, parce que la banque ne veut plus. Ils veulent plus qu'il vive là-dedans, chez lui. Il s'est fait virer, voilà. Et du coup, on doit récupérer, il me semble, des choses sur lui. Et du coup, on doit aller dans sa maison, justement. Et les trouver, tout simplement. Voilà. Du coup, c'est parti. C'est pas loin, c'est juste à côté. Voilà, c'est juste ici, les amis. Alors je pense que vous avez peut-être remarqué, c'est là où on a fait justement le petit braquage de la diligence avec Bill et Charles, et aussi l'oncle, pour vous rappeler, bien sûr, hein, pour ceux qui me suivent, hein, bien sûr, voilà. Et c'est à cause justement peut-être de ce mec, justement, que bah, on a eu ces petits problèmes-là, voilà, parce que je vous signale que c'est à cause du mec... entre guillemets, qu'il nous a signalé qu'il y avait justement des hors-la-loi qui étaient justement ici, hein, en train de se planquer, et c'était nous, justement. Du coup, je pense que c'est à cause de lui qu'on a eu ces petits soucis avec les chasseurs de primes, tout ça, les shérifs. By order of judge, J'aime bien parce que j'ai l'impression que Arthur, il est en moitié endormi, le truc. Ok, alors. By order of Judge Meredith Holden in the courts of the state of Lamoille. Ah, voilà. We do hereby grant repossession of this property and all items here into the Bank of Rhodes. M. Holden, Judge Holden, Henrietta Blackley, clerk, November 18th, 1895. Voilà, les amis. Parfait, et du coup, on va essayer d'entrer. Par ici, je pense. Voilà. On va prendre la torche, parce que là, on ne voit pas grand-chose. Alors, voyons voir. Examiner bouteille vide. Allez. Petit zoom. Voilà. Pas grand-chose. Fouiller le meuble. Ok, pas grand chose aussi. J'ai l'impression. Dessin d'enfant. Examiné. Thanks indeed for your talk to our Sunday school class.
Thought you might like this drawing, young Josh. Okay, c'est le même. He wants to grow up to be just like you, Sam. Voilà, parfait. Ah, on avait autre chose. La famille, je pense. Là, on peut zoomer. Il y avait une petite famille, le mec. Pour retourner. 1855. This likeness of your family as a small token of appreciation for your assistance in the recovery of my property. Like your old pa, you're a cunning old dog and a credit to this community. Yours, Colonel Joshua Nixon, the Ascension Plantation. Ok. Alors, bien sûr, il y a autre chose, hein, c'est pas fini. Examinez l'être. April 2nd, 1870. Dear Mr. Thompson, I'm afraid there's no more work for you down here at the plantation. I'm grateful for the help you've given us and the help your pappy and your pappy's pappy gave us before you. These are trying times for all of us. You are in our thoughts and prayers. Yours truly, Colonel J. Nixon, the Ascension Plantation. Voilà, toujours la plantation, je sais pas trop quoi. Ah, voilà, la montre. C'est ça qu'on doit trouver. L'un des objets, voilà, je pense que c'est ça. That's the old watch. Now the ledger and the pistol. Le registre et le pistolet, il faut trouver, les amis. Alors, vous inquiétez pas, je vous mets la torche. Voilà, parfaito. Ah, fouiller. Ok. Okay. Where is all this old crap? Examinez l'être. Paw. God damn it. Told you to stay away from the boy. He don't want this. Heck. None of us want nothing to do with you. Rance. Okay. Alors, on a quoi d'autre? Ah, voilà, ça. Ça nous laisse une petite indice de ce qu'on doit chercher. Voilà, une porte au sol. Et puis voilà. What you doing here? We found this place first. Yeah. Easy. Les pierres de les moines. Looking around for some things. That old revolver yours. Finders keepers. Son of a bitch! Oh, God okay. Damn it! Come on, man! Where are you going? Come on! Gonna get you! Ok, pas de soucis, avec le couteau, ça marche. Je vais découper. Ouh! En rondelle! Je vais te faire du saucisson. Allez, bien! Allez! Tiens, bah bon, t'es calmé toi. Ok les amis, il commence à faire jour, tant mieux. Bon, en fait ils ont rien les trucs. Alors du coup, normalement il doit avoir quelque chose pour l'ouvrir. Alors, voyons voir, il y a quelque chose aussi, là, voilà, lettre. Parfait. Dear Mr. Thompson, after numerous complaints from customers and fellow employees alike, we must terminate your employment.
There's just no place for a man like you at the Central Union Railroad Company. Ok. Alors normalement, voilà, ça devait être ici qu'on doit, voilà, ouvrir trap. Parfait. Ok, j'avoue, ça fait peur. Examiner carnet. Alors, ça doit être ça qu'on doit chercher. Well, that's that. I was somewhere near Rhodes when they caught me. Till the day I die, I ain't gonna forget the sound of that dog barking in my heels. But I don't suppose that day gonna be far off yet. It was 50 lashings yesterday and 50 more to come. I don't think I can take any more. Man said he was doing his job. Funny kind of employment if you ask me, but I suppose you ain't. Light's fading, so that's it for now. I do hope I live to see the end of this war and justice win out. Ugh. June 64. God. Voilà, c'est la fin. Registre. Ah, ça doit être ça, les amis. This your ledger? A list of slaves? Rewards. January 15th, Betsy. Voilà, une liste d'esclaves, comme il dit Arthur Morgan. Louise, $12. May 18th, Wilfred, $18. May 24th, Minnie and Child, $20. Just a stinking pistol. Voilà, ils sont foutus pistolets. Ok, il est juste en haut en fait. Normal, je viens de. C'est le mec qui l'avait en fait. Tout simplement. Du coup, on va remonter, hein, voilà, il n'y a plus rien. Parfait. On ne peut pas le nettoyer. Drôle de pistolet quand même. Et puis je pense qu'on a fait le tour, les amis. De cette maison abandonnée. Malheureusement. Alors dommage qu'on ne peut pas aller en haut. Je me demande s'il y a... Enfin, il y a quoi en haut en fait. Je me demande. Ça tombe, il n'y a rien. Hey there, girl. Yeah. Parfait. Et du coup, on va devoir retourner voir le mec, tout simplement. Pour lui apporter, bien sûr, ses objets. Ok, je vais me casser la gueule. Ah, je vous jure, hein. Fufu Morgan, faut te réveiller quand même. Come on, girl. Idiot. Ok, bah c'était juste là. Je croyais que c'était à Rod, moi. Ça va aller, monsieur. Oh man, oh man. Grand-père. Show some respect. I was respected once. I had a profession. You asked me to get you something. There's no bringing back what I want. I want my job, my pride, the respect accorded to a gentleman. What about this old crap? Huh? Things. Don't you understand? Comment il jette ça, Arthur? Those bastards have changed everything. I was a good worker. I took pride in my work. They took it away.
pissed on my legacy. Old man, some jobs ain't for saving. And some legacies? Oh, they are for pissing. What are you doing? That's my history. Damn you! Mais alors, vas-y, tire! I still exist! J'ai mal pour lui quand même. Ah, apparemment, on peut le tuer. Voyons voir. Ouais, il vaut pas la peine. Allez, on va le laisser. Il vaut pas la peine de le tuer, ça sert à rien. Je suis pas un fou à ce point-là, quand même. J'ai pitié, hein, quand même. Alors, les amis, et ben du coup, les amis, les amis, et ben tout simplement, on va aller faire l'un des poissons légendaires qui se trouve tout près du camp. Voilà, on va le faire. Avec les leurres, tout simplement. Du coup, c'est parti. On se retrouve dans un instant avec le poisson légendaire. Ok les amis, ça doit être juste ici, derrière ces arbres, voilà, tout près du camp. Voilà, juste ici. Hop. Poussez-vous les biches. Alors oui, mon cheval il est crevé, je vous avoue. Il est en train de mourir le truc. Hop, on va lui donner une petite pomme. Ça va faire plaisir. Voilà. Parfait. Et du coup, pour ce poisson légendaire, les amis, je vous explique. Il nous faut tout simplement, normalement, si je me trompe pas, le leurre de lac spécial. Du coup, hop, on va prendre la canne à pêche. Et on va essayer de le trouver. Avec un peu de chance, je l'espère. Du coup, c'est l'heure de lac spécial. Il est où? Le bonheur. Ça doit être ça, voilà. Voilà, permet de pêcher les poissons légendaires qui vivent dans les lacs. Et du coup, il faut essayer de trouver le bon, les amis. Et là, je vous avoue que ça va être chaud patate, mais je pense que j'ai déjà repéré. À moins que je dis peut-être des bêtises. Alors c'est chaud de se repérer, hein, je vous avoue, avec le poisson légendaire. Alors, on va faire ça. On va voir. On va attendre un tout petit peu. Et peut-être qu'avec un peu de chance, on va essayer de l'avoir. Ah, peut-être que c'est lui. On va essayer. On va voir, ça sera la surprise.
Ah, c'est peut-être lui, hein, les amis. You're not bad at all. Non. C'est pas lui, je pense. Non. Alors, on va le garder, hein, bien sûr. On va essayer de le choper. Alors, j'essaie de me repérer, hein, bien sûr. De le trouver le plus facilement possible. Come on. On va essayer ici. Alors, c'est un peu chaud pour se repérer avec ce crapé plutôt, Harlequin, parce que apparemment il est noir. Noir, il est aussi immense. Il fait apparemment 30 cm, ce poisson. Alors, on va essayer, hein. Ah, peut-être que c'est le bon. Ah. Ah. Non. C'est pas ça du tout. Bon, pour l'instant, pas de bol, les amis. Voyons voir. Alors, bien sûr, je regarde bien sur la carte si c'est bien ici. Ok. Parfait. Où est-il? Alors, je vous avoue, j'ai l'impression qu'il n'est pas là. Alors, on va retenter, hein, bien sûr, jusqu'à ce qu'on le trouve. Ah, je pense pas que c'est ça, mais bon. Et non, malheureusement, c'est pas ça, les amis. Alors, si on le trouve pas, c'est pas grave, on va essayer de trouver un autre poisson légendaire, hein, bien sûr. On va juste se repérer. Ah tiens, c'est quoi là? J'ai l'impression que c'est celui-là, les amis. Ah, ça se peut que c'est lui. Vous pouvez le voir dans l'eau. Ça doit être lui. Le fameux crapé légendaire. Alors, on va essayer de s'approcher avec le canne à pêche. J'espère que c'est lui, mais normalement, je pense que oui. Je pense que je l'ai trouvé. Oh, ok, attention! Ah oui! Oh oui, ça doit être ça. Ah, je pense que c'est bon, les amis. Ah, quoique. Ah, ça se peut que je me trompe. Ah non, c'est pas ça. Ah, je pensais. Honnêtement, je pensais. Ça ressemblait. Alors, j'ai quand même vérifié. Non, pas du tout. Mais non, Arthur Morgan, je t'ai pas dit de ranger ta canne à pêche. Eh ben les amis, bah je pense que malheureusement pour le premier poisson légendaire qu'on veut attraper, bah malheureusement il veut pas montrer son bout de son nez. Du coup, je pense que on va faire un autre. On va tenter notre chance ailleurs avec les poissons légendaires. Et du coup, on va aller si je me trompe pas. Ici, voilà, chercher. Parfait. Alors, avant d'aller voir le deuxième poisson légendaire, on va aller 5 minutes au camp pour donner ça au camp, hein, bien sûr. Et puis, vous allez voir en même temps que pendant les hors live, hein, bien sûr, j'ai pu
capturer, enfin plutôt dépecer certains des animaux pour le camp. Pour améliorer le camp, hein, bien sûr. Et du coup, vous allez voir que quelques éléments, on peut améliorer, bien sûr, hein, le camp de Dutch van der Linn. Du coup, on va aller voir vite fait. Et puis, bien sûr, on va donner le roman d'aventure de Jack, le petit garçon de John Marston et de Abigail, hein, justement. Parce que je vous rappelle qu'on a trouvé son livre lors de la partie 31, bien sûr. Et du coup, on va donner tout ça au camp. Ah, Dutch van der Linn et Maika. Oula, ils parlent tous en même temps. Would you please try to keep away from old people while we're getting this much attention? I understand, boss. And I'm sorry for being foolish. It was an old thing, and my emotions got the better of me. Thank you. Dutch? Hi. You boys are my family now. Je vais être honnête, Mika n'en pense pas le moindre chose par rapport à la famille. Voilà. Je préfère être honnête. Mika, il s'en fout. Ok. Bon, vous savez que Arthur Morgan et Mika ne s'entendent pas vraiment, bien sûr. Hein. Good morning, Arthur. Oh, petit Jack, viens ici. Viens ici, fiston, viens ici. Donnez objet. Here, I hadn't forgotten about that storybook you lost. Thanks voilà. So much, Uncle Arthur. Oh, c'est mignon. I found it near camp. Sure. T'as quoi me donner? Donne, petit garçon, donne. Barre de chocolat. Oh, c'est mignon. Putain, tu l'as trouvé par terre. Vas-y, je le mange pas. Ok. Bill don't like nobody who's tougher or smarter than him. Which means he really don't like many people at all. Alors, bien sûr, on va écouter les conversations. Yeah. See? You learn quick. Marston. Marston. Alors, les amis, on va donner déjà la peau hein, d'alligator. Parfait état. Bien sûr, hein, voilà. Et les peaux de serpent. Bien sûr, il en faut aussi pour le camp. Voilà, tout simplement. Parfait. Voilà, et je pense que, voilà, c'est tout, je pense. Voilà. Hop. Et du coup, on va regarder un peu tout ça ensemble. Voilà, il nous manque peau de panthère, mais ça, on verra plus tard, les amis. Tout près de les moines, bien sûr. Enfin, tout près de Rod, plutôt. Bien sûr. Voilà, peau d'alligator, parfait état, voilà, parfait, génial. Voilà, en plus c'est le quartier d'Arthur Morgan, parfait, il est content. Il nous manque une peau de cougar, parce qu'il en faut deux, et j'en ai qu'un, voilà. J'ai donné juste une peau, parfait, voilà, juste un seul, il en faut deux, tout simplement. Bon, ça c'est fait. Ok, hop, ça aussi. Ça aussi. Voilà. Les peaux de serpent, les amis. Juste au cul de l'oncle. Voilà. Et voilà, j'ai ça aussi, les amis. Hein, fourrure de castor. Voilà, j'ai tout. Parfait état. Rat musqué et renard. Voilà. Au cul de Charles. Voilà. Notre ami. Cher ami. Notre indien préféré. Voilà. Charles. Si je peux le dire. Et aussi, bois d'original, voilà, parfait. Voilà, les amis. Voilà, ils sont contents. On a amélioré beaucoup, là, trois fois. Parfait. Et du coup, c'est reparti, les amis. Pour le poisson légendaire. Allez, c'est parti. Girl.
Let's go. Yep. Alors bien sûr les amis, j'ai oublié de vous dire que justement tout près d'ici, tout près de entre les moines et New Hanover, enfin voilà, entre Valentine et Rhodes, il y a un petit truc à la plage juste à côté et vous allez voir que c'est assez, on va dire what the fuck, mais j'en dis pas plus, voilà, vous allez voir, mais le seul truc que je peux vous dire c'est que c'est en rapport avec, pour ceux qui connaissent bien sûr, Red Dead Redemption 1. Voilà. C'est en rapport avec Red Dead Redemption 1 pour ceux qui connaissent. Hein, bien sûr. Et du coup, on va aller voir. C'est pas loin, je pense. C'est juste à côté. Alors, je veux regarder quand même. J'ai même mis, bah voilà, tout simplement ici. Voilà. Juste ici. Il y a un petit corps. Et vous allez voir que, voilà. C'est en rapport avec Red Dead Redemption. Le tout premier. Enfin, le tout premier. Le 1, quoi. Je vous laisse découvrir. Tout simplement. Allez. Bon, je te croyais mort. Hein. Sérieux, je croyais que t'étais un zombie. Là. Enfin, c'est un zombie. Alors, lettre perdue pour Bonnie. Ah, Bonnie. Si ça vous dit quelque chose, bah, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires sur YouTube, quand ça sera sur YouTube, hein, bien sûr. Parce que là, vous savez que je suis en live sur Twitch, hein, bien sûr, en ce moment même. Mais pour ceux qui vous connaissez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, dites, hein, bien sûr, n'hésitez pas. Mais Bonnie, en fait, c'est un personnage de Red Dead Redemption 1, en fait. Voilà. Et du coup, alors, je ne sais pas si je peux le lire. Alors, est-ce que c'est un bug? Je n'en sais rien. Ok. Alors, je pense que c'est un bug. Normalement, on peut le lire. Enfin, je pense. Voilà. Du coup, on va le lire ensemble. Lettre à Bonnie McFarlane. Et oui, vous connaissez peut-être le village de McFarlane, le petit village de Red Dead Redemption 1. Voilà. Mais aussi, bien sûr, parce qu'on l'a aussi sur Red Dead Redemption 2, hein, voilà, Blackwater, tout ça, bien sûr. Et du coup, on nous dit comme ça. Chère Miss McFarlane, je m'excuse, voilà, je l'ai dit, je suis désolé. Vous avez raison, je me laisse emporté par mes pensées. Je l'ai toujours fait, je le sais, mais je vous aime. Nous sommes faits l'un pour l'autre. C'est notre destin, je le sais. Je n'ai vu en rêve élevant nos enfants. Vous étiez très heureuse et j'étais fier d'être votre mari. Les rêves ne mentent pas et moi non plus. Je m'en vais faire fortune et quand je reviendrai, je serai un homme riche. Vous verrez que je serai un bon mari et un bon père pour nos enfants. C'est mignon tout ça. Ça, c'est pas marqué. Et non, je ne grandirai pas sur ce sujet. Vous vous trompez, j'ai tant de choses à vous dire. Je continuerai cette lettre plus tard. Mais croyez-moi, quand je vous ai dit que nous connaîtrons ensemble une vie longue et heureuse, même votre père finira par le croire, parce que oui, bien sûr, le père, hein, je vous le dis aussi vite fait, les amis, mais le père, on le croise aussi dans Red Dead Redemption 1, hein, voilà. Mais voilà, mais votre père finira par le croire et par m'accepter malgré mes origines modestes. Ah, c'est mignon, les histoires de cœur, quand même. Et bien sûr, le père et Bonnie, parce que c'est sa fille, hein, Bonnie, on le croise, bien sûr, chut, dans Red Dead Redemption 1, pour ceux qui connaissent ou pas, mais j'en dis pas plus, voilà. Mais pour ceux qui connaissent, voilà, voyez de quoi je parle. Du coup, les amis, direction bien sûr
le prochain poisson légendaire. C'est parti. Voilà les amis, nous y sommes. C'est juste ici. Le prochain poisson légendaire. J'espère qu'on aura plus de chance cette fois-ci. Ok, bon lui je sens qu'il va se taper le truc ici. Ici. Ok. Oh non, t'es sérieux, je dois le chercher, c'est ça? Bon allez, ça a un sens. Je vais le chercher. Voilà, allez, hop. Reviens ici, l'ami. Mais sérieux, reviens. Oh, je vous jure. C'est quoi ce cheval-là mal élevé, quoi. Voilà, parfait. Tenez, monsieur. Ah, c'est normal, je suis gentil. Normal. I won't forget this. Sure, il n'y a pas de souci, l'ami. Allez, bonne chance, au revoir. Bon courage. Et du coup, les amis, voilà. Allez, viens, petit cheval. Ah, je vous jure, faut tout faire. Alors, pour ce prochain poisson légendaire, les amis, c'est exactement pareil, il me semble. Il faut pêcher avec un leurre de rivière spécial. Et j'espère qu'avec un plus de chance, hein, bien sûr, on aura, voilà, plus de chance, voilà, plus de chance. Voilà, on l'espère. Hop. Voilà, c'est ça. Parfait, je l'ai. Et du coup, c'est parti, c'est un petit poisson, les amis, qu'on doit récupérer. Allez, on va voir. J'espère qu'on aura plus de chance. Allez. J'y crois. Il faut y croire dans la vie. Bon, déjà, je pense que c'est pas ça. Quoique, ah si je l'ai les amis. Et eh ben franchement, ce n'était pas pareil que le premier, justement l'autre, malheureusement on l'a pas trouvé, le premier. Et lui je l'ai trouvé d'un coup, le premier d'un coup, voilà, parfait, brochet maillé légendaire, 4 kilos, voilà. Les plus grands brochets maillés peuvent atteindre 75 cm et de gros spécimens peuplent la Dakota River. Ils apprécient les leurres de rivaux, de rivières plutôt, spéciaux. Parfait les amis. Alors bien sûr, à chaque fois qu'on récupère un poisson légendaire, il faut le donner à la poste pour le mec qui veut collectionner les poissons légendaires. Voilà, tout simplement, voilà. Vous avez pêché un poisson légendaire, voilà, il vient juste de le marquer directement. Du coup, parfait les amis. Là, franchement, je vous avoue que c'était du rapide. Voilà. Voilà, vous pouvez le voir, c'est fait. Ça fait une petite croix. Parfait. Et du coup, on va aller, si je me trompe pas, plus ici, tout près de Strandberry. Et là, il y a un petit poisson légendaire aussi. Et c'est parti les amis, let's go. Allez. C'est parti. Voilà les amis, nous y sommes. C'est juste ici. Voilà, tout près de Strandberry. Juste ici, hein, voilà. Il y a le lac. Le lac immense entre Strandberry et Blackwater. Et oui, parce que Blackwater, ça se trouve à West Elizabeth aussi.
tout près de Strandberry, pour ceux qui connaissent bien le jeu. Voilà. Easy now. Parfait, juste ici. Alors, je vais juste regarder si c'est bien ici. Voilà, parfait. Et du coup, hop, hop, hop. Voilà, on descend. Parfait, Arthur Morgan. Et du coup, pour ce poisson, les amis, il nous faut le leurre de lac spécial pour essayer de le choper, quoi. Voilà, de le choper, tout simplement. Allez, c'est parti. Le leurre, lac spécial. Il est où? Il est où? Il est où? Le bonheur, il est là. Et oui, ça pourrait marcher, Arthur. Bah oui, on a confiance. Alors par contre, lui, il a l'air immense, ce poisson. Il est exceptionnel, d'après ce que je vois, ce que je me renseigne en tout cas. Il doit être quelque part ici, et je pense plutôt qu'il doit être... Alors ça doit être l'un des gros poissons droit devant, les amis. Et je pense plutôt que ça doit être plus par là. Allez. On va essayer de le choper. Premier coup. Allez, comme le deuxième. Parce que le premier, malheureusement, on l'a pas eu. Hein. Ouh. Ouh, l'absorbe est en place. Ouh, ça a l'air... Ouh, du très, 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 très lourd. Ouh, ouais, ça doit être lui, les amis. Ça doit être lui, parce que j'ai pas l'habitude de récupérer des gros poissons comme ça. Enfin, j'ai l'habitude, hein, j'ai vraiment l'habitude, mais pas celui-ci. Et je pense que c'est le bon. Ouais, il a l'air immense. Et c'est chaud pour le choper. Plus ils sont gros, plus c'est dur. Normal, hein, bien sûr. Oula, quand Arthur Morgan y parle, c'est que ça doit être lui. Oh oui, je pense, les amis. Je crois que c'est bon. Ouh, il est magnifique. Allez, laisse-toi faire. Ah, ça c'est bon! Magnifique! Alors, Achigan, un petit bouche légendaire de 10 kilos! Waouh! Ah ouais, quand même, on raconte que des Achigans à petite bouche de taille exceptionnelle vivant à Owajila. Je sais pas si je le prononce bien, encore une fois. Hein. attiré par les leurres spéciaux de lacs et de rivières. Eh ben, gardez. Parce qu'on va l'envoyer. Voilà. On va l'envoyer à la poste pour le collectionneur de poissons légendaires. Du coup, voilà, les amis. Alors, j'en profite aussi, les amis. Pour ceux qui jouent à Red Dead Online, j'en profite. Alors, bien sûr, ça reste des rumeurs. Alors, vous savez que en ce moment même... Voilà, sur Red Dead Online, en ligne bien sûr. Vous savez que normalement, on peut traquer les animaux légendaires, hein, pour ceux qui savent, hein, bien sûr, pour ceux qui jouent, en tout cas, sur Red Dead Online, bien sûr, tout comme moi, bien sûr. Parce que bien sûr, je vous fais des lives de temps en temps sur Red Dead Online, quand il y a des nouveautés, hein, bien sûr, quand il y a plein de petites choses nouveaux, bien sûr. Par exemple, les passes, tout ça, hein, bien sûr. Et j'ai entendu parler... Dans les fichiers du jeu, en tout cas, pour plus tard, en tout cas, que plus tard, apparemment, Rockstar Games, les créateurs, hein, bien sûr, et ben tout simplement, ils sont en train de préparer des poissons légendaires pour le mode Onan. Et j'espère qu'ils vont vraiment le faire, parce qu'apparemment, ça a été trouvé dans le jeu. En tout cas, dans les modes, dans les fichiers. Et du coup, bah voilà, j'en profite de vous le dire, tout simplement, parce que oui, en ce moment, bah voilà, on pêche en ce moment avec Arthur Morgan. Et du coup, bah j'en profite de vous le dire. Alors bien sûr, ça reste des rumeurs, hein, bien sûr. Ça reste des rumeurs. Mais voilà, je voulais vous en parler. Voilà. Du coup, alors voilà, on va l'envoyer à la poste, juste à côté. C'est juste vraiment à côté. Du coup, bah voilà, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, hein, les amis, ce que vous en pensez. Moi, j'espère que ça va se faire, vraiment. Parce que bah ça peut être quelque chose de sympatoche dans le mode en ligne. Surtout que là, avec Arthur Morgan, c'est vraiment quelque chose de pêcher les poissons légendaires. Mais sur Red Dead Online, ça peut être
pas mal aussi. Voilà. Du coup, j'en profite, hein, n'hésitez pas à me le dire. Ce que vous en pensez, tout ça, bien sûr. Alors. Ah. Ben, les amis. Alors, je pense qu'en fait, c'est à cause des chasseurs de primes. Voilà. En fait, il faut juste que je m'éloigne un tout petit peu. Voilà. Parfait. Nickel. Alors, je suis recherché dans cette ville, enfin, dans ce petit village. Mais on peut envoyer quand même. Voilà, il est magnifique, le poisson légendaire. Alors, bien sûr, on va envoyer l'autre, hein, bien sûr. Le deuxième qu'on avait fait directement. Envoyer du courrier. Allez. Parfait. Petit bouche légendaire, voilà. Et brochet maillé légendaire, voilà. Alors, plus j'envoie au collectionneur, comme avec les trucs dinosaures, comme vous pouvez le voir, j'ai un truc que j'ai récupéré sur le site champ, voilà, sur les champs, sur les os, tout ça, hein, récupéré, hein, qu'on a justement rencontré avec la femme, justement, qui recherche les os de dinosaures. Et justement, plus je donne, plus j'ai des récompenses, les amis, hein, bien sûr. Plus je gagne des dollars, tout ça. Voilà. Parfait. 2 sur 13. Parce qu'il y en a 13 en tout, des poissons légendaires. Dans toute la carte du jeu, les amis. Voilà, parfait. Du coup, les amis, on va aller pour le dernier. Parce que oui, c'est le dernier pour l'instant. Pour l'instant, dans cette partie, en tout cas. C'est ici, voilà, le lac Isabella. Où il y a les montagnes enneigées, tout près du bison légendaire qu'on a pu récupérer, hein, voilà. Et du coup, bah, c'est parti, les amis. On se retrouve là-bas, directement. C'est parti. Du coup, les amis, nous sommes de retour, voilà, au troisième poisson légendaire. Et du coup, voilà, j'ai mis ma petite tente ici, voilà, on s'est reposé tout près du poisson légendaire, voilà, dans les montagnes enneigées. Bon, voilà, on s'est un peu réchauffé, hein, bien sûr, en même temps, voilà, tranquille. D'ailleurs, si ça vous embête pas avec Arthur Morgan, voilà, hop, on va faire ça, on va boire un petit café, tranquille, voilà, ça c'est top. Alors, histoire de se réchauffer, hein, bien sûr, hein, les amis. Sauf que là, je vois pas mon truc. Où est ma tasse, tout ça. Ok, j'adore le petit bug. J'adore. Hop, voilà. Parfait. On se réchauffe. Tranquille, parce que là, il fait froid. Hein. Voilà, vous voyez, le temps pareil, là. Franchement, j'aimerais pas être à la place d'Arthur Morgan, quoi. Voilà, tranquille. Parfait. Voilà, on démonte, ça c'est cool. Et puis, on va aller voir, voilà, tout près d'ici, le poisson légendaire. Et puis là, c'est un saumon rouge, si je me trompe pas. Il est immense. Franchement, il est vraiment immense, les amis. Vous allez voir, je pense que c'est l'un des plus gros poissons qu'on va récupérer dans Red Dead Redemption avec Arthur Morgan. Et vous allez voir que c'est quelque chose de assez exceptionnel, les amis. Alors, voilà, ici, voilà, vous pouvez voir que c'est un dessin immense. Alors, voilà, ici, on va se mettre plutôt vers le point, hein, voilà, tranquille, ou ici, voilà, je pense que c'est ici. Et du coup, on va devoir le prendre avec le leurre de lac spécial, encore une fois, les amis. Oula, il est en train de patiner notre Arthur Morgan. Du coup, ça, voilà, ici... Voilà, directement, parfait, parfait. Et du coup, l'heure de lac spécial, voilà, je crois que c'est ça, voilà, parfait, je l'ai déjà. Ok, nickel, parfait. Et c'est bien le saumon rouge, les amis. Alors, je pense que, voilà, je pense qu'on l'a déjà trouvé. Voilà, je pense que c'est lui, hein. À moins que... Ah, quoique... Ça se peut que je me trompe, hein. Alors, on va essayer quand même, hein, bien sûr. Voilà, on va pêcher par ici. Et puis, on verra. On croise les doigts.
Allez, premier coup. Ah, il est là, les amis, je le vois. On le reconnaît, sa queue rouge. Parfait. Il est là, les amis. Allez. Il est immense, comme vous pouvez le voir, il est vraiment immense. Alors par contre là il s'éloigne. Waouh. C'est quoi ce délire là, il s'éloigne là. Mais non, je t'ai pas dit t'éloigner toi. Viens ici petit poisson. Enfin petit poisson. Là j'avoue, je suis marrant quand même. Petit poisson. Ah ouais ok. Vous avez vu la taille? Oula, c'est chaud là. C'est pas comme d'habitude. Ouh. Nickel. Allez, c'est parti. On va essayer. Il est magnifique en tout cas. Je voudrais bien attraper un poisson comme ça dans la vraie vie, franchement. Ce serait un truc de fou quand même. Allez, viens. Alors comme je vous ai dit, c'est peut-être l'un des plus monstrueux des poissons légendaires. L'un des plus lourds, voilà, à capturer. Ouh. Alors vous remarquez, hein, j'ai du mal. Pourtant je suis un excellent pêcheur sur Red Dead Redemption. Je vous avoue, je suis pas un débutant, j'ai l'habitude de pêcher sur Red Dead Online, tout ça. Mais là, c'est super chaud. Alors bien sûr, là on parle de poissons légendaires, hein. C'est pas pareil. Hein. Pourtant là, je fais le max. Waouh. Ouh, il a failli lâcher. Il faut faire très attention. Oula, doucement. Alors lui, il est coriace. Là, je vous avoue, il est coriace. Parfait. Magnifique. Incroyable. Je le trouve, je crois que c'est l'un des plus beaux poissons dans le jeu en fait. Dans Red Dead Redemption. Franchement, c'est l'un des plus beaux, je pense. Des poissons qu'on va capturer en tout cas. 24 kilos les amis. Vous comprenez pourquoi j'ai eu du mal? 24 kilos. Incroyable. Pratiquement bientôt 25 kilos quoi. Incroyable. J'en ai quand même quoi. Waouh. Des saumons rouges bien sûr de taille record, voilà, ont été aperçus dans le lac Isabella. Les leurres spéciaux de lacs et de rivières sont efficaces pour les pêcher. Voilà. Bien sûr que tu le gardes, Arthur Morgan. Ouh, je fais du patin à glace là. Bienvenue à l'âge de glace. Et du coup, les amis, bah, on va le rapporter, malheureusement, le plus près possible. Hein. Je pense que le plus près possible, ça serait... vous me direz lequel, les amis. Je pense plutôt Valentine, le plus près. Du coup, bah, on se retrouve dans un instant, voilà, ici. Du coup, c'est parti, les amis. Voilà les amis, nous sommes de retour à Valentine. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas été ici, hein, je pense. Hein. Du coup, les amis, on va rapporter ça à la poste. Notre poisson légendaire. Il est vraiment immense. Incroyable. Allez, hop, on passe ici. Hop. On
Voilà, parfait. Ça, ça c'est bon ça. Qu'est-ce qu'il y a lui? Tu me cherches là? Tu veux chercher Arthur Morgan là? Regardez, je suis on dirait un bonhomme de neige comme ça. Attention hein. C'est un Driscoll, attention le Père Noël il est pas content. Balèze en vue. Mais je vais te calmer toi. Tiens mais... Ah mais c'est pas possible ça le Driscoll. J'aime pas les Driscoll moi. Mais tiens, je vais te secouer comme une marionnette moi. Tiens. Voilà, il est calmé. Vous inquiétez pas, il est pas mort. Non, j'ai rien fait, il est pas mort. Vous inquiétez pas. J'ai pas d'ennui. J'en ai déjà assez. Ok, bon, lui il se casse la gueule. Ok, génial. Allez. On va reporter ça à la poste. Joyeux Noël. Parfait. Pas ici, monsieur. Venez ici. Venez. Allez, viens. Ok, il s'en bat les couilles, le mec. Ok, il s'en bat les steaks, le truc. Franchement, aucun respect dans ce jeu. Franchement, aucun respect. Même dans les jeux vidéo, ils ont aucun respect, franchement. Franchement, c'est... C'est incroyable, quand même. Franchement, c'est incroyable. Alors, franchement, je suis mort, là. Franchement, c'est un truc de fou. Bah, vas-y, a fait semblant. Franchement. Ok, alors, voilà, c'est parti. On l'envoie. Parfait. Voilà, alors ça, on l'envoie pas tout de suite, hein. L'os le, du champ, le, je sais pas trop quoi, les amis. Pour les os à collectionner, les amis. Ça, on verra plus tard, au fur et à mesure de l'histoire, hein, bien sûr, de Arthur Morgan. Bien sûr, hein, pour ceux qui me suivent, vous savez comment je marche maintenant. On fait petit à petit. Du coup, voilà. Parfait. 3 sur 13. Petit à petit, voilà, j'ai juste de le dire. Parfait, bonhomme de neige, parfait, parfait. Et ben du coup, les amis, on va s'arrêter ici parce qu'il est... Nous sommes à combien, là, en ce moment, au niveau du live? 1h, non, même pas, j'allais dire 1h14, même pas. Ah, voilà, si, excusez-moi. Nous sommes en ce moment... Parce que je vois pas directement, hein, je le vois pas directement. Nous sommes, tout simplement, à 1h45, voilà, pratiquement 1h46 de live. Alors, il a duré un peu plus longtemps, hein, les amis, à cause des parcours, tout ça. Mais vous inquiétez pas que pendant la période en vidéo sur YouTube, ça va durer moins longtemps. Bien sûr, parce qu'à cause des parcours, tout ça, ça dure un peu plus longtemps. Du coup, voilà. Parce que, bah, bien sûr, hein, nous sommes en live et du coup, bien sûr, ça dure plus longtemps sur Twitch. Du coup, voilà, voilà, pour bien vous expliquer hein, comment ça marche en ce moment. Enfin, en ce moment, avec moi, en tout cas, sur les lives, tout ça. Du coup, voilà, les amis. Du coup, je vous dis à plus tard. Putain, t'es dégueulasse, Arthur. Franchement, il est temps de se laver, là, parce que là, franchement, en plus, là, t'es en train de te gratter, ça se voit. Du coup, voilà, les amis, je vous dis à plus tard pour la partie 33. J'espère que vous avez vraiment kiffé, hein, cette suite. Voilà. Et du coup, bah, on se retrouve vraiment plus tard. Et du coup, bah... Je vous dis à plus tard et prenez bien soin de vous. Voilà. Je vous retrouve à bientôt. Ciao, ciao les amis.